happy today. Make you carry your flag on top your head, make you say oh way. Yeah, we go see everything today. I go score my goal and shake my waist like Mila Roger. Après le galop d'essai, coup de maître de la co-organisation Gabon-Guinée-Équatoriale 2012 et la confirmation de sa capacité à pouvoir offrir à la population africaine la plus belle fête du football à travers l'organisation de la 38e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Mesdames et messieurs, le Gabon vient d'être doté de l'organisation de la 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans. Vous l'avez compris, c'est donc là la raison d'être de notre présence dans ce stade de 20 000 places du complexe sportif Michel Essonguet de Port-Gentil. Au cours de cette émission spéciale baptisée au cœur de la CAN U17, il sera question pour nous de toucher du bout des doigts les réalités auxquelles feront face le comité d'organisation de ce grand événement du football africain des moins de 17 ans. Il sera également question pour nous d'aller examiner les enjeux et surtout les forces en présence pour notamment concourir au bon déroulement de ce grand rendez-vous sportif. Alors, installez-vous confortablement à la maison. Je vous invite tout de suite à recevoir chez vous ceux qui ont accepté de se prêter à ce jeu de questions-réponses avec nous pour vous permettre de mieux comprendre les préparatifs et surtout l'organisation de la 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U17, organisée du 14 au 28 mai 2017 dans les villes de Port-Gentil et de Libreville. Tout de suite, je vous invite à la découverte de ceux-là qui se cachent derrière nos cartons d'invitation pour le compte de ce plateau spécial. Et nous sommes de retour cette fois pour vous donner la possibilité de marquer une courte petite pause. C'est le temps d'une transition et juste derrière, le débat démarre tout de suite et maintenant. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, plateau consacré aux préparatifs de la 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, organisée au Gabon dans les villes Port-Gentil et Libreville du 14 au 28 mai de cette année de grâce 2017. Et je ne serai pas seul sur ce plateau, Jules m'accompagne. Bonsoir à vous, Jules. Bonsoir, Pablo. Vous allez bien? Très bien. Voilà. Voilà. Avec vous également sur ce plateau, le coordonnateur du site de Port-Gentil, M. Pierre Retenondiaye. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Ah, je vais très bien, merci. Bienvenue chez nous. Alors, à votre côté, nous avons M. Laurent Maganga, qui est le coordonnateur adjoint du site de Port-Gentil. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Voilà. Avec vous, nous allons tenter de comprendre quelles sont les forces en présence pour l'organisation de cet événement qui se prépare déjà assez bien. Et nous avons sur ce plateau également Josiane Matenet qui est référente marketing. Voilà, l'unique femme de ce plateau. Bonsoir à vous, Josiane. Merci, c'est un honneur, c'est un privilège. Voilà, merci d'être avec nous. Alors, tout de suite, cher monsieur, nous allons vous donner la possibilité, monsieur Pierre Retenondiaye, puisque vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous permettre de connaître l'équipe qui vous accompagne dans cette lourde tâche. Et à titre de rappel, pour la bonne gouverne de nos téléspectateurs, c'est la même équipe qui a coordonné l'organisation de la poule D de la CAN Junior qui s'est tenue du 14 janvier au 5 février à Port-Gentil. Il y a deux éléments près, mais je voudrais tout d'abord remercier les journalistes pour ce plateau média qui nous permettra de communiquer avec les populations à l'occasion un peu de cette manifestation continentale qu'est la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Et c'est aussi une fierté pour les Port-Gentillaises et les Port-Gentillais car notre ville, en l'espace de 3 mois, a été retenue, a eu l'honneur d'abriter une compétition de cette envergure. Alors, pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, je voulais d'abord revenir sur une organisation nationale qui est le COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qui, lui, a un contrat avec la CAF, la Confédération africaine de football. Et ensuite, au niveau local, c'est la coordination de site que j'ai l'honneur de diriger avec mon adjoint, M. Laurent Maganga. Au niveau de la coordination de site, on a un certain nombre d'entités, une dizaine, qu'on appelle des commissions et qui sont chapeautées ici par des référents. En gros, ces commissions couvrent tous les secteurs clés d'organisation
d'une compétition continentale. Je voulais rappeler à ceux qui nous regardent à la télé que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la troisième compétition mondiale de par son importance. Après la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe des Nations, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, à ce titre, on a une commission, vous en doutez, accueil et protocole, parce qu'il faut recevoir les équipes à l'aéroport. On a une commission dite santé. Et oui, la santé, il faudrait que les gens soient au top pour pouvoir remplir les rôles qui leur sont assignés. On a une commission sécurité, vous en doutez, parce qu'on aura beaucoup de spectateurs et d'invités. Donc, il faudrait que l'organisation se déroule en parfaite sécurité, que les spectateurs et toutes les personnes qui viendront ici soient en toute sécurité. Ensuite, nous avons une commission hébergement et restauration, parce que les équipes qui arrivent, il faudra bien les héberger, les restaurer. On a une commission dite douane, et vous en doutez, et il faut passer des frontières, et à chaque fois qu'on passe une frontière, il faudrait que nous respections la réglementation en vigueur. Vous avez aussi une commission transport et logistique, vous en doutez, marketing. Il faut effectivement faire la publicité de cet événement. Il faudrait que nous attirions des spectateurs, mais aussi des téléspectateurs. Parce que n'oubliez pas que les images de cette compétition vont être distribuées à travers le monde. Et ensuite, on a des sous-commissions comme accréditation ou volontaire. Vous allez voir un certain nombre de personnes avec des t-shirts volontaires. C'est quand même la cheville ouvrière de toute l'organisation. Ils mettent à la disposition des commissions des personnes pour pouvoir travailler. En gros, voici l'organisation un peu de la coordination de sites de Port-Gentil. Voilà, certainement nous aurons la possibilité de rentrer en profondeur dans ces différentes commissions pour savoir les missions qui sont les leurs et surtout les différents mécanismes qu'elles ont mis en place pour notamment favoriser la bonne réussite de cet événement. Voilà, on ne saurait parler de la CAN 2000, des moins de 17 ans sans revenir sur... Allez-y, monsieur Maranga. Pour compléter ce que le coordinateur de site a dit, cette organisation est coordonnée, ordonnée par un directeur de site. Donc, toutes ces commissions sont sous la responsabilité d'un directeur de site. Donc, tout ce qui est opérationnel est sous son autorité. Voilà, justement. Et comme je le disais, Jules, on ne saurait parler de la CAN des moins de 17 ans sans toutefois revenir sur celle qui a eu lieu à il y a à peine 4 mois. Bon, avant de rentrer sur la CAN qui s'est déroulée il y a 4 mois, je tiens d'abord à rappeler aux téléspectateurs que la CAN des U-17 commencera donc le 14, donc dans 4 jours, et s'achèvera le 14 mai et s'achèvera donc le 28 mai. Donc 2 villes ont été retenues pour cette compétition. On a donc Libreville et Port-Gentil. 8 équipes. Donc sur le sol gabonais, 8 équipes, c'est-à-dire 4, il y a 2 poules donc avec 4 équipes du côté de Port-Gentil et 4 équipes donc du côté de Libreville. On a donc la poule A qui comprend le Gabon, parce que l'équipe des U-20 du Gabon est logée à Port-Gentil. Donc on a le Gabon, on a la Guinée-Conakry, il faut bien préciser, on a également le Cameroun et on a le Ghana. Et dans la poule B, où la compétition se déroulera tout simplement du côté de Libreville, on a donc le Mali, la Tanzanie et l'Angola et bien sûr le Niger. Alors, on va faire le bilan de ce qui s'est passé il y a 4 mois. Le Gabon a organisé cette fois-ci une coupe, une compétition de grande envergure. Alors, est-ce qu'on peut faire un bilan, même succinctement, le bilan de cette compétition qui s'est tenue il y a à peine 4 mois? Bon, il y a plusieurs aspects. Bon, je vais en aborder certains et d'autres, seront développés par le coordinateur de site adjoint. Alors, le bilan, globalement, c'est un bilan positif. En termes d'affluence au niveau du stade, oui. Et en termes effectivement de ferveur, oui, populaire. Et sans, vous l'avez sur ces points, on a remarqué, voilà. On ne conteste pas. Voilà. Sur ces points, on est d'accord avec vous. Tout à fait d'accord. Alors, les retombées économiques. Non, mais avant d'y arriver, allez-y d'abord. Voilà, il y a quand même un certain nombre d'éléments négatifs, oui, si vous voulez, et qui méritent effectivement que l'on s'y a telle cette fois-ci, on a connu quelques problèmes les 2 premiers jours de match avec le transport des spectateurs. C'est vrai qu'il y avait un tel engouement qu'on a été légèrement en deçà de nos capacités de transport, mais les jours d'après, les journées d'après, ce problème a été effectivement réglé. On a aussi un point, vous l'avez remarqué, oui, le stade qui n'était pas prêt
hein, pour effectivement accueillir un certain nombre de compétitions au départ. Okay, mais à la on fin, parle du stade tout cela, en... de la pelouse. La pelouse, voilà. Hein, ok. On parle de la pelouse. Tout à fait, ok. Parce qu'on a eu des problèmes effectivement de pelouse pas poussée comme on l'aurait souhaité. Oh, ouais. On a eu un problème effectivement d'engrais qui n'avait pas effectivement donné les résultats escomptés. Mais à la fin, quand même, des matchs se sont joués. Je reconnais que ces éléments sont des éléments à améliorer et on le verra là, on reviendra là-dessus. Mais voilà. Là, sur d'autres aspects. Voilà, alors avec vous, hein, monsieur Banganga, quand même, il faut rappeler hein, à toute fin utile que si Port-Gentil a une fois de plus bénéficié d'une poule, et notamment la poule qui abrite le pays organisateur, c'est justement suite à cette réussite, on va le dire ainsi, pour ce qui est de la CAN Junior. Alors, pour vous aujourd'hui, comment pouvez-vous résumer le résultat? En quoi résumez-vous le résultat obtenu au cours de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Alors, il faut déjà rappeler aux uns et aux autres que la province Logoué-Maritime, Port-Gentil en particulier, est une terre de football. C'est relu, c'est. Ok. Donc, les gens sont des passionnés. Et puis, ça faisait depuis plusieurs années que Port-Gentil n'avait pas reçu une compétition aussi importante que celle-là. Donc il y avait un engouement populaire parce que c'était la première fois. Et ensuite, eu égard au succès de l'organisation, indépendamment des petits problèmes qui ont été évoqués déjà par le coordinateur, notamment la pelouse, mais sur le plan de l'organisation, ça a été, en toute modestie, une réussite parce qu'on a reçu les félicitations à la fois des Comment illustrez-vous cette réussite? Mais c'est d'abord par l'organisation, la volonté des hommes et des femmes à qui on a donné la responsabilité de l'organisation sur le plan local. Il y avait cet engouement, on voulait réussir, c'était une première et il fallait qu'on réussisse. Et tout le monde a donné le meilleur de soi-même. Donc vraiment, c'est un succès global et au premier chef duquel se trouve le coordinateur de site, M. Pierre Etenondiaye. Alors, merci à vous, cher monsieur. On va poursuivre notre aventure et rappeler tout de même que nous sommes en compagnie des représentants des communautés étrangères, notamment des trois équipes qui vont se joindre au Gabon pour former la poule A qui sera abritée à Port-Gentil. Donc, on profite de l'occasion pour dire bonsoir à ces communautés qui auront certainement la possibilité de nous dire un mot avant la fin de cette émission. Alors, on va rentrer de plein pied dans le sujet du jour, voilà. Puisqu'on parle de l'organisation de la CAN U17, c'est-à-dire la CAN cadette des moins de 17 ans. Oui. Néanmoins, Pablo, je veux revenir quand même sur ma question, parce qu'il y a une question à laquelle le coordonnateur général n'a pas répondu, le coordonnateur de site général n'a pas répondu, les retombées économiques pour la ville de Port-Gentil, la province de Logoué-Maritime. Vous n'avez pas répondu à cette question, monsieur. Mais on va y répondre. Non, soyez rassurés, mais les retombées économiques sont visibles. Première chose, vous avez des infrastructures de qualité. Elles sont parmi les infrastructures les meilleures du continent. Cela avait été dit par les représentants de la CAF. En commençant par ce bijou, architectural. Hein, c'est vraiment un bijou, oui. Hein, et qui a été donné aux populations gabonaises, mais aussi, sur un plan général, à tous les fils et toutes les filles, oui, du Gabon. Oui. Mais deuxièmement, vous savez que lorsqu'il y a une compétition de cette envergure, elle draine du monde. Oui. Les retombées économiques sur le plan touristique, vous savez que pendant la CAN, les hôtels de Port-Gentil étaient pleins, les restaurants étaient pleins. Sur le plan du transport, on a utilisé des locaux, les, oui, prestataires pour la restauration. Tout cela a eu un impact direct sur les populations. Et je voudrais vous dire, oui, l'organisation de la CAN, surtout la CAN senior, c'était 1500 personnes, vous ne le voyez pas, hein, mais c'est toute une organisation, mais alors huilée. Vous avez les agents de sécurité, vous avez les volontaires, le personnel COCAN qui travaille, vous avez les secouristes, le personnel santé, c'est 1500 personnes qu'il fallait gérer avant jour de match. Et donc cela a produit des retombées financières pour les personnes qui travaillaient. Donc là, ce sont des retombées visibles de l'organisation de la CAN à Port-Gentil. Alors, voilà. Donc, je pense qu'on peut refermer ce chapitre. Je suis satisfait. On peut refermer ce chapitre maintenant. Sans oublier les compagnies aériennes, okay, qui ont été sollicitées. Okay. On vous a compris, monsieur le CS. Okay.
On va maintenant entrer dans la compétition qui commence dans 4 jours. Ouais. Alors, on a constaté une chose, c'est qu'au niveau de Port-Gentil, pour parler de la ville de Port-Gentil, il n'y a aucune communication pour l'instant. Voilà, mais Jules, s'il vous plaît, je voudrais quand même qu'on s'intéresse d'abord à la présentation de la compétition proprement dite. Alors, CS, la CAN Junior s'est tenue à Port-Gentil et maintenant on nous parle de la CAN des moins de 17 ans. De quoi s'agit-il exactement? On avait parlé de la CAN senior, hein, en janvier et février. Ouais. Aujourd'hui, et là, nous sommes à la CAN cadette, du coup. Voilà, des moins de 17 ans. Parce que le U17, le U, c'est vraiment le terme anglais de under, en dessous des 17 ans. Ouais. Alors, c'est pourquoi s'agit-il? Ben, il s'agit effectivement de jeunes Africains de moins de 17 ans de se confronter, de jouer au football comme leurs seniors. En fait, ce sont des pépites qui sont en préparation. Donc, il faut former. Pour que vous ayez des seniors, il faudrait que vous ayez effectivement des juniors, des cadets. Et ce sont ces équipes-là, ces jeunes de différents pays qui vont s'affronter ici du 14 au 28. Alors, il y a deux poules, comme il a dit. La poule A, c'est le Gabon, le Cameroun, le Ghana et la Guinée. Et la poule B, l'Angola, la Tanzanie, le Niger et le Mali. Alors, à Port-Gentil, on aura effectivement 6 matchs qui vont se jouer. Il y a des jours qui vont se jouer en double. Donc, on aura à Port-Gentil du 14 au 24 des matchs ici. Et ensuite, le reste, c'est à Libreville. On aura une demi-finale à Port-Gentil qui va se jouer le 24, effectivement, mai. La troisième et la finale se jouant à Libreville. Ça sont les directives de la CAF. Voilà. Alors Pablo, moi j'aimerais poser une question à monsieur le coordonnateur de site, mais peut-être que vous n'êtes pas le mieux placé pour répondre à cette question, ou peut-être à un des référents. En ce qui concerne cette équipe nationale des U-17, est-ce qu'on peut faire un bilan des matchs amicaux? Parce qu'il y a toujours... Est-ce qu'on peut d'abord s'intéresser des matchs amicaux à la communication autour de la... Oui. À la communication autour de la compétition. Nous avons un conducteur, monsieur Julie, il faut qu'on le respecte. Voilà. Alors, donc, intéressons-nous, nous sommes à 4 jours de la compétition. Voilà. Le Kokan est-il prêt, monsieur Manganga? Kokan Port-Gentil, vous êtes prêt? Nous sommes à 4 jours de la compétition. Le Kokan Port-Gentil est prêt. Nous sommes entourés de tous nos collaborateurs. Mais cette présence ne justifie pas pour celui qui les garde à la maison. Mais bien sûr, nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Hein, nous avons été activés depuis pratiquement 2 semaines. Hein, donc, je peux vous rassurer que nous sommes déjà prêts pour cette organisation-là. Voilà, bon, mais vous êtes prêts, CS, mais seulement, il n'y a pas de communication autour de l'événement. Donc, on a l'impression que vous êtes prêts dans vos bureaux, dans votre stratégie d'attaque, mais la population n'est pas encore édifiée sur le fait qu'un événement dans 4 jours va se tenir, un événement international va se tenir dans la ville de Sable. Ah ben, je voudrais quand même vous rappeler qu'il y a eu dans le quotidien national L'Union déjà une communication qui n'est avait pas été lue par tout le monde. Qui n'est pas lue par tout le monde. Je vous le concède. Mais il y a eu effectivement une parution dans ce quotidien qui annonçait l'organisation de la CAN des moins de 17 ans au Gabon. Ici, mais vous êtes la preuve vivante de cette communication envers les populations. Mais je voudrais aussi vous rappeler que ce matin, il y a eu des émissions radio qui ont connu un franc succès. Donc ça prouve qu'une frange, je suis d'accord avec vous, de la population est parfaitement au courant de l'organisation de cette CAN à Port-Gentil. Alors, l'émission du jour et les actions qui vont se poursuivre vont amplifier cette communication. Et c'est la raison pour laquelle on vous a sollicité, mieux que les journalistes, ça n'existe pas, pour nous aider à mieux atteindre un peu toutes les franges de la population gabonaise. Voilà. Alors, Jules, on va parler des infrastructures, au niveau des infrastructures. Oui, on va peut-être rester on va rester un peu sur le cadre organisationnel pour, bien sûr, poser une question à M. Mavungu Joël Fidilian. Une question, on peut passer le micro à M. Mavungu Joël Fidilian. Alors, depuis 2012, on a constaté une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une CAN qui est organisée au Gabon, il y a ce qu'on appelle, dans toutes les CAN de toute façon, il y a ce qu'on appelle les volontaires. Est-ce que pour cette édition des U-17, on aura droit encore à des volontaires? Est-ce qu'il y a des jeunes volontaires encore pour cette édition? Je répondrai par l'affirmative. Comme l'a dit le coordinateur de site, aucune compétition ne se fait sans volontaires. C'est la cheville ouvrière. Ce sont les personnes que nous ne voyons pas, en général, qui sont au travail dans le background. Alors, comment ça se passe, la sélection de ces jeunes volontaires? Il y a une communication qui est faite. Comment vous les recrutez, pour la plupart? Le recrutement a été fait avant la CAN des seniors.
en sur 2 mois et demi. Oui. On a une base de données de 1200 personnes sur Port-Gentil. Oui. Et c'est sur cette base de données-là en fait, que nous prenons les volontaires qui vont être en activité pour la CAN. Voilà. Merci, M. Mavungu. On reviendra certainement à vous pour parler. Il faut qu'on revienne un tout petit peu dans notre conducteur. Alors, M. Manganga, je me retourne vers vous. Sur le plan infrastructurel, voilà. Sur le plan infrastructurel, le coordonnateur de site l'a évoqué précédemment. On a connu quand même quelques difficultés avec la pelouse lors de la CAN senior, mais il y a eu quand même 3 mois qui sont passés. Est-ce qu'ici, c'est vrai que ce n'est pas la même dimension de la compétition, mais est-ce qu'on peut être garanti que la compétition proprement dite se déroulera sur une pelouse adaptée aux normes internationales? Tout à fait. Nous avons tiré les leçons de la CAN senior qui s'est passée en janvier. Et je peux vous rassurer, j'espère que vos caméras prendront des images, le stade est nettement mieux que celui que nous avons connu en janvier 2017. Alors, mais à côté du stade, il y a aussi des infrastructures hôtelières qui devraient accueillir les différentes délégations et bien sûr des restaurants. Est-ce que sur ce plan, vous êtes rassuré que tout est mis en place pour que dimanche, l'Afrique soit satisfaite à Port-Gentil? Alors, il faut aussi se rappeler qu'en termes d'hôtels ou de restaurants, ce n'est pas le COCAN qui choisit. Il y a eu, il y a quelques mois, une visite d'inspection de la CAF. Et c'est au cours de cette visite de la CAF que les hôtels et les restaurants ont été déterminés. Donc aujourd'hui, nous savons les hôtels et les restaurants qui vont accueillir les différentes équipes. Alors, Monsieur Jules, votre question au CS, s'il vous plaît, qui est basée sur la billetterie et l'accès au stade. Alors, la billetterie, comment se fait la vente des billets? Ou peut-être il faudrait la poser peut-être à la... Il n'y a pas de souci. Okay. Elle est là avec nous, notre référent marketing. Oui. Mais d'abord, une information d'importance. Vous savez que la CAN de moins de 17 ans sera gratuite. L'entrée au stade sera gratuite. Est-ce que vous permettez que ce public fasse du bruit quand même, à savoir qu'elle sera gratuite? Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir pour la gratuité de cet événement? Eh oui. Et vous voyez, c'est une fête de la jeunesse et je crois que c'est un cadeau qui est offert aux jeunes de ce pays par les plus hautes autorités de la République. Oui. Elle sera gratuite parce que c'est leur fête, donc il faudrait qu'ils la vivent et qu'ils en profitent profondément. Alors, s'agissant de la billetterie, je vais passer la parole au référent marketing qui va quand même énoncer un certain nombre de règles. Gratuité nécessite quand même un certain nombre de mesures, tout à fait. En particulier des mesures de sécurité. Alors, madame Josiane Maténé, qu'est-ce qui est prévu? Donc, merci CS. En fait, il faut dire que c'est vrai que l'entrée au stade est gratuite, mais c'est sous présentation d'un billet qui lui est gratuit. Et ce billet, pour plusieurs raisons. Pour la simple bonne raison que lorsque vous accédez au stade, vous êtes sous notre responsabilité. Évidemment. Et donc, il faut que nous, on sache le nombre de personnes qui entrent au stade. Donc, c'est un billet. On a 20 000 places au stade. Ouais. Donc, si on ouvre les portes aujourd'hui et qu'on demande à toute la population de Port-Gentil d'entrer au stade, vous comprenez tout de suite qu'on a un problème à ce niveau. Et donc, l'entrée au stade est gratuite, certes. Donc, c'est sous présentation de billets parce qu'un billet égale une place occupée au stade. Et comment on obtient ce billet, justement? C'est simple, on a travaillé sur des stratégies de distribution. Donc, on a des communautés étrangères que vous avez présentées tout à l'heure qui sont concernées par les matchs. On peut parler des autres parce que c'est tout le monde qui aime finalement le foot. Donc, c'est toute une stratégie qui est mise en place. Il y a des associations des jeunes, vous avez des centres de formation, vous avez des élèves qui sont intéressés. Et donc, nous, on travaille avec des responsables de chaque partie qui a été citée ici afin madame, de permettre... Madame, s'il vous plaît, facilitez un tout petit peu la compréhension. Lorsque vous parlez de stratégie, il s'agit de quoi? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y aura comment on fait pour se le procurer, en fait? On en vient. Elle va continuer, je reprendrai. Allez-y. Lorsqu'on parle de stratégie, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des élèves qui souhaitent accéder au stade. Ouais. On a la direction provinciale d'académie qui est là et qui est chargée de gérer tous ces éléments. Et donc, on travaille avec ces responsables pour aller voir au niveau des établissements quelles sont les personnes
qui souhaiteraient s'y rendre. Et en fonction de ça, on met à contribution le nombre de places dont ils ont besoin. Et donc, c'est pareil pour tout le monde. Mais il faut dire que si vous n'êtes pas dans ces différents secteurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas à l'école, qui ne se retrouvent pas dans les associations, déjà, on appelle tous ceux qui sont des associations organisées à se joindre à nous pour pouvoir se faire identifier et bénéficier de ces billets-là. Mais il faut dire aussi que ceux qui viennent, si vous êtes au stade, si vous êtes, il faut juste vous déplacer, venir juste au stade parce que nous avons prévu des mesures pour les personnes des dernières minutes. On peut se le procurer en venant au stade. C'est l'élément le plus important. On espère qu'avec cette stratégie, on ne sera plus confronté au phénomène des billets brûlés ou alors déchirés de la CAN Junior. Ah ben ça, je ne le savais pas, vous me l'apprenez. Allez-y, monsieur le CS. Ah non, puisque vous me l'apprenez, non. Vous avez vu que... Au cours de la CAN Senior, il y avait une influence. Il y avait même certaines personnes qui demandaient effectivement des billets. Ouais. Parce que bon, certaines, comme je disais, les premiers matchs avaient été un peu échaudés, découragés par les problèmes logistiques. C'est la raison pour laquelle on n'a pas peut-être rempli complètement le stade. Mais on avait passé la barre de 65% de taux de remplissage, ouais, qui est le plus fort reconnu par la CAF lors d'organisation des Coupes d'Afrique des Nations. OK. Alors, revenons sur la stratégie. Elle est en voie de finalisation. Elle a évoqué un certain nombre d'éléments qui vont être pris en compte pour s'assurer effectivement que tous les passionnés de football viennent et assistent au spectacle qui est offert par le Gabon à la jeunesse gabonaise. Voilà, merci à vous, Monsieur Pierre Etenodia. À titre de rappel, vous êtes le coordonnateur de site de Port-Gentil pour le compte de la 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Mesdames et messieurs, si c'est à l'instant que vous joignez à nous, sachez que nous vous proposons ce soir une émission spéciale consacrée à l'organisation et aux préparatifs de la 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans qui sera abritée, dont la poule A sera abritée à Port-Gentil du 14 au 28 mai prochain. Et cette fois, vous allez nous permettre de vous laisser souffler un tout petit peu, le temps pour nous de nous intéresser aux différents responsables de commission qui sont également avec nous. On va démarrer par la commission sécurité. Voilà, le responsable, le référent. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir. C'est un visage très connu de Port-Gentil. Ce n'est pas peut-être la peine de vous présenter, mais s'il le faut, c'est le colonel Ntoumou qui est très, très connu d'ailleurs sous le ciel de Port-Gentil. Alors, dites-nous, quelles sont les mesures de sécurité qui ont été mises en place par la commission sécurité pour notamment, permettez la répétition, garantir la sécurité de ceux qui feront le déplacement? Merci, Pablo. Mais ce dont je suis sûr, c'est que toutes les dispositions sont prises pour que l'événement se passe dans de bonnes conditions. Voilà. Et avec toutes les assurances. Voilà. On sait que chez les militaires, les secrets ne se dévoilent pas comme ça, surtout quand il s'agit de sécurité. Okay. Merci à vous, monsieur le colonel. On va se retourner vers le responsable d'hébergement. Voilà. Responsable commission hébergement. Et qui n'est malheureusement pas avec nous. Mais il n'est pas là, mais on pourra répondre, oui, on pourra répondre à sa place. Hébergement, je pense que M. Manganga a essayé d'esquisser de nous donner quelques éléments concernant l'hébergement et peut-être des éléments complémentaires. Est-ce que c'est garanti pour la presse et pour les délégations? Parce que tout est fait prêt. La presse aussi, elle est assez exigeante, vous le savez. Écoutez, tout est fait prêt pour accueillir nos hôtes. Je peux vous dire que l'équipe gabonaise qui est déjà ici depuis dimanche, elle est logée chez Jimmy, c'est un restaurant bien connu de la place, l'équipe gabonaise au Kumbu, et vous avez l'équipe de Guinée qui va arriver camerounaise, qui seront logées à l'hôtel du Parc. Voilà. Et les responsables de la CAF sont logés au Taramé Hôtel. Donc tout est fin prêt, ce sont des hôtels, comme le disait le coordinateur de site adjoint, qui ont été visités par des responsables de la CAF depuis la CAN Senior, et qui répondent parfaitement aux standards et aux exigences de la CAF. Voilà. Alors, monsieur Jules. Alors, une question pour monsieur le coordonnateur général, monsieur Retenu Ndiaye. Alors, je constate que le même sponsor vous suit pour cet événement. Vous avez vu que Total vous a accompagné dans la CAN Senior et dans la CAN des U-17. Total vous fait encore confiance. Est-ce que ça veut dire que Total est satisfait de cette collaboration avec le COCAN? Certainement, mais je voudrais quand même apporter une précision. Avec la CAF. C'est que le sponsoring, c'est un sponsoring CAF. Total a signé un contrat avec la CAF.
et donc c'est le sponsor officiel de la CAF. Et à titre de rappel, le contrat ira jusqu'en 2020, donc il est encore du temps. Alors on va s'intéresser à toute autre chose dans le cadre de ce plateau. À l'équipe nationale, à l'équipe des U-17 bon, maintenant, à l'équipe alors, même. Quelles sont les forces en présence, monsieur le CS? Quelles sont les forces en présence? Quelle sera la particularité de cette CAN? Parce qu'à chaque événement, une particularité. On se souvient, la co-organisation de 2012 était un coup d'essai qui s'est avéré coup de maître selon les experts en termes d'organisation de la CAN. Et puis la confirmation était en janvier. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous réservez non seulement pour la CAF, qui a continué à faire confiance au Gabon de par son expérience et surtout les résultats positifs, et bien sûr au public Port-Gentillet, qui, dont beaucoup n'ont pas eu la possibilité d'être là au cours de la CAN senior et qui voudraient avoir quand même des garanties qu'il y a quelque chose, il y a un truc de plus pour cette édition. Écoutez, il y a une réponse très simple, hein, c'est-à-dire que le CAN organise. L'équipe de football est sous la responsabilité de la FEGAFOOT. Ok, ouais. Mais le CAN met à la disposition de nos jeunes, de la FEGAFOOT, toutes les conditions pour réussir une CAN. Et nous espérons que nos Panthéros iront très loin. Bon, je voudrais vous dire, puisque notre ami nous a posé une question sur la forme et sur les résultats, vous savez qu'il y a eu des matchs de préparation qui se sont déroulés au Maroc, ouais. Et l'équipe des Panthéros s'est bien défendue. Elle a perdu un match, elle en a gagné, plus un match nul. Donc je crois qu'on peut lui faire confiance. Et si cette équipe a choisi Port-Gentil, les dirigeants, parce qu'elle avait besoin de la troisième équipe. Et la troisième équipe, c'est le public. Ouais. C'est la population. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à la population port-gentillaise pour venir et supporter toutes les équipes. La nôtre, l'équipe du Gabon, et toutes les équipes des pays frères qui prennent part à cette compétition internationale. N'oublions pas qu'au-delà de cet engagement sportif, c'est d'abord des liens de solidarité que nous allons solidifier, que nous allons amplifier. Et c'est ça la fête du football. Voilà. C'est la fête de tout le monde. Voilà. Alors, peut-être un élément de plus, M. Mangaka. Je voulais juste ajouter en termes de spectacle. Il faut rappeler aussi aux uns aux autres que les équipes africaines juniors ont toujours été bien représentées en Coupe du Monde, ouais, notamment le Ghana. Mm-hmm. Le Cameroun, et le Nigeria, bon, ouais, qui ne sera pas là, ouais. Mais le spectacle est presque garanti pour cette compétition. Voilà, puisque vous parlez du spectacle, nous venons de franchir les 30 premières minutes de cette aventure. On va peut-être, pour transition, donner la parole aux responsables de communauté pour avoir une idée de la mobilisation et surtout de la préparation de ces différentes communautés. On va commencer par la communauté camerounaise. Voilà, est-ce qu'elle est représentée? Voilà. Alors, Monsieur Jules Mandengue, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, dites-nous, est-ce que la communauté camerounaise est suffisamment prête pour... parce qu'il faut rappeler que vous êtes champion d'Afrique. Est-ce que vous surfez encore sur... vous surfez encore sur le sacre des seigneurs. Merci pour l'éloge. Merci pour l'éloge. Apparemment, avant d'intervenir, ouais. Je veux avouer que pour des petites raisons techniques, nous n'avons pas pu mieux suivre la totalité du débat. Ouais. Mais qu'à cela ne tienne, comme nous étions préparés un certain nombre de questions, ouais. Parce que moi qui prends la parole, je peux vous assurer que je suis agressé par mon état depuis 3 ou 4 jours, ouais. Qui aimerait avoir le feedback de l'organisation. Pas plus tard que ce matin, la mission diplomatique a posé la question où on en était. Et quand j'ai eu la nouvelle qu'effectivement on devait se réunir cet après-midi, vous pouvez imaginer le soulagement que j'avais en tant que représentant de la source de cette province. Alors, je veux m'excuser à revenir sur certains points très importants pour nous. Le premier point, c'est la déclinaison du calendrier définitif et exact. La déclinaison du calendrier définitif et exact. Parce que vous vous rappeliez qu'il y a eu des nouvelles qui sont partis disant que la compétition devait avoir lieu
à Franceville, à Libreville. Voilà. Alors, M. Jules Mandeguin, vous aurez la possibilité d'avoir ce calendrier et plus d'amples informations. Tout parlez-nous à fait. Beaucoup plus de la mobilisation de la communauté. Est-ce que l'on peut s'attendre à voir l'effervescence de la part des Camerounais? On l'a assisté du côté, pour ceux qui étaient du côté de Libreville lors de la CAN senior. Est-ce qu'on peut avoir le même engouement du côté de Port-Gentil? En tout cas, tout dépend de l'organisation, tout simplement parce que là, au moins, j'ai pu suivre à merveille des déclarations de la chargée de la billetterie, ouais, qui parlait des stratégies qui avaient été mises en place. Et je peux vous confirmer ici que c'est d'or et déjà une certaine satisfaction par rapport à ce qu'ils ont prévu au niveau de la distribution des tickets. Voilà, donc, mais moi, par contre, avoir combien de places sur les 20 000? Moi, j'ai dit 10 000 places, rien que pour nous. Est-ce qu'on peut applaudir, voilà. Moi, j'ai dit 10 000 places parce que... Et merci. Là, je suis très sérieux quand je déclare 10 000 places, je suis très sérieux. Voilà. Mais par contre, j'ai des petites préoccupations qui sont au niveau de l'accréditation, des accréditations, mm-hmm, allez, au niveau de nos personnalités politiques, voire, ouais, diplomatiques et autres. Ouais. Ça, c'est un point. Ouais. Donc, je pense que c'est votre préoccupation a été prise en compte par le COCAN qui est présent ici. Hein, voilà. D'accord. Les personnes à qui incombe la responsabilité de vous donner des réponses à toutes ces questions sont là. Donc, tenez-vous tranquille. Alors, on va passer le micro peut-être au voisin que nous n'avons malheureusement pas le nom, mais qui représente tout du même une communauté, peut-être celle du Ghana, peut-être la communauté ghanéenne. Est-ce qu'elle est là? Oui. Voilà, la communauté ghanéenne. On sait que le Ghana est un pays anglophone, mais nous sommes dans un pays francophone, donc prière de bien vouloir vous exprimer en français pour que tout le monde puisse comprendre. Bonsoir à vous, monsieur. Oui, bonsoir. C'est monsieur Famier. Monsieur Famier. Voilà. Ah oui. Le Ghana, comme tout le monde qui a pas été un peu surpris, mm-hmm, que le CAN, l'équipe là, revienne ici. Ouais. Parce qu'au début, tout le monde croyait qu'il sera arrivé. Mm-hmm. Donc... On a eu la nouvelle que oh, l'équipe là, c'est là, ici, dernière minute. Ouais. On était même à l'aéroport là-bas pour l'accueillir. Ouais. Maintenant, ils sont à Bambou. Mm-hmm. Donc, on est en train de voir avec les frères, mobiliser l'équipe. Ouais. Et programmer d'appeler la réunion de tous les gagnants, ouais, ici samedi, mm-hmm, pour leur annoncer vraiment ce qui se passe. Et puis, on va voir quand les billets vont sortir. Et puis, je suis sûr qu'on célèbre dimanche. Voilà. Donc, vous allez, le 12e homme va certainement jouer en faveur du Ghana pour que vous n'abandonnez pas la compétition aussitôt, comme ça a été le cas pour les seniors. Voilà. Oui, il était avec l'équipe là. C'était quand? Hier ou avant-hier? Au stade là-bas, à Sogara. Oui. Oui, il parlait avec les enfants là, qu'il ne veut pas voir ce qui s'est passé avec les seniors. Est-ce qu'on peut applaudir? Voilà. Merci. Bon, on va prendre un autre responsable de communauté, la Guinée, voilà. Voilà, Guinée-Conakry, ben là, c'est le français. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Vous n'étiez pas là en janvier et cette fois, vous êtes convié. Qu'est-ce que vous allez faire pour... c'est vrai que vous avez soutenu la communauté malienne lors des CAN seniors, mais hein, il s'agit de vous maintenant. Qu'est-ce que vous avez prévu? Exactement. Depuis qu'on a eu l'information hier... Mm-hmm. Aussitôt, j'ai rassemblé les membres de ma communauté. Nous avons créé des cellules de distribution de billets. Ouais. C'est déjà mis en place et j'ai fait la demande pour une première temps, 1000 billets. 1000 billets. Oui, tout est planifié, comment il faut les distribuer. Et j'ai mis beaucoup de personnes au courant et les amis aussi. Ouais. Donc, on est très satisfaits, nous sommes contents. Le fait que c'est les équipes de nos deux pays, le Gabon et la Guinée, qui ouvrent la balle. Voilà. Et bon encouragement. Merci. Okay, voilà, merci. Voilà. Ça sera un véritable choc. Est-ce que vos poulains sont prêts quand même? Vous n'allez pas parler au nom du coach, mais lorsque vous avez discuté avec eux, ils sont prêts quand même? Ah, les enfants sont très motivés, ils sont dit qu'ils sont prêts. Voilà, nous aussi. Ils vont faire mal. Alors, on va prendre le responsable. Bon, on n'a pas besoin de... Nous ne sommes pas une communauté étrangère, donc parce que la quatrième équipe, c'est bien sûr la nôtre, celle des Panthères. Et je pense que... Notre débat de 2000 de janvier doit être un élément qui va notamment booster toute la population à se mobiliser autour de nos panthéros afin que, bon, mais quand même, le Cameroun ne nous fera pas, les lionceaux ne nous feront pas ce que les lions nous ont fait à Libreville. Voilà. Alors, CIS, on revient à vous. Vous avez écouté ces différents responsables de communauté. Est-ce que ça vous réconforte dans votre position
d'un coordonnateur de site entièrement prêt pour l'organisation d'un événement dans 4 jours. Oh, tout à fait. Hein. Je vous disais que c'était une compétition fraternelle. Ce sont des pays frères qui ont des équipes ici. Donc cela va encore souder les liens de fraternité avec ces pays. Et à entendre les représentants de ces communautés, ça fait augurer d'une CAN qui sera de très bonne facture. Et je crois que je lance encore un appel ici à toutes ces communautés et même à d'autres qui ne sont pas représentées par des équipes à venir au stade participer à cette fête du football. Mais je voulais quand même revenir sur un point. Hein. Vous disiez tout à l'heure que la CAN senior, ça a été une débâcle pour le Gabon. Non, je voulais quand même tempérer vos propos. Allez, n'oublions pas que notre équipe est sortie sans avoir été battue. Mais on aurait voulu plus que ça quand même. C'est sûr que l'ambition était de se qualifier, du moins pour les demi-finales. C'est la loi du football, on n'a pas réussi. Mais je pense que leurs cadets vont essayer de relever le défi et pouvoir se qualifier. Je voulais préciser que les deux premiers de chaque poule sont automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde. Ça, c'est quand même important. Donc, c'est un enjeu à la fois, j'allais dire, continental, mais aussi intercontinental. Ouais. Voilà. Voilà. C'est une excellente information qui mérite des acclamations quand même pour les soldats. Et voilà, Jules, donc si on est premier, on est de facto qualifié pour la Coupe du Monde. C'est une très très bonne chose, ça. Là, je crois que ça va donner le cœur à l'ouvrage à ces Panteros d'aller très loin dans cette compétition. Et je pense que là, ils auront vraiment le cœur à l'ouvrage parce que jouer, représenter le Gabon à l'international, c'est très important. Alors moi, j'aimerais maintenant m'attarder sur l'aspect média. L'aspect, en fait, savoir comment ces matchs seront diffusés. Est-ce qu'ils seront réellement diffusés à l'international, dans les médias internationaux? Oui, certainement. Enfin, certainement, non. Je suis sûr qu'ils seront effectivement sur les chaînes internationales. D'abord, je voudrais vous dire, pour rappel, pour la CAN senior, c'était 182 pays qui suivaient cette CAN-là. Tout à fait. Bon, aujourd'hui, c'est une compétition des moins de 17 ans, de moins d'envergure, mais il va y avoir effectivement une distribution un peu de tous ces matchs à travers un certain nombre de pays. Ah. Mais comme je disais, cet aspect est géré par la CAF. CAF. Voilà. Est-ce qu'au niveau local, on a préparé des accréditations pour les médias internationaux qui vont peut-être effectuer des déplacements? Vous avez peut-être des informations là-dessus? Non, c'est clair. Alors, avant de passer la parole à notre responsable accréditation, je voulais dire que l'accréditation des journalistes est une accréditation CAF. Ouais. Il faut aller sur le site Media CAF. Channel, okay. Voilà. Et à partir de là, vous faites enregistrer. Ouais. Okay. Évidemment. Un peu comme lors de la CAN senior. Exact. Ouais. Okay. Alors, monsieur Manganga, avec vous quand même, je voudrais qu'on s'intéresse à la question du transport. On sait que la CAN senior à Port-Gentil, il était question de s'arrêter à un niveau et d'être transporté ensuite par les véhicules mis à disposition. Aujourd'hui, pour la CAN junior, c'est vrai qu'il n'y a pas de différence majeure, mais qu'est-ce qui est prévu? C'est quoi l'itinéraire? Disons que... Les supporters auront finalement la possibilité d'arriver au stade avec leur véhicule? Non, nous aimerions repartir évidemment sur la même formule que nous avions utilisée lors de la compétition senior. Mais le à débat... À savoir, à titre de rappel? Non, à titre de rappel, c'est qu'on avait mis des bus à disposition des spectateurs à un certain point de collecte et puis qui permettait aux gens... Et ça a évité également les embouteillages. Ça a évité les embouteillages pour des problèmes de sécurité également. Donc on est en train de regarder un petit peu avec la commission. Je passe la parole au responsable de la commission CTL s'il est là. Mais nous allons un peu dans ce sens-là. Hein? Donc le problème n'est pas encore définitivement débattu. Ouais. Hein? Mais nous allons dans ce sens-là. Alors donc, chacun, comme c'était le cas pour les seniors, doit laisser son véhicule à la maison et se rendre au Carrefour Ferrasol. Non, ceux qui ont des véhicules, il y aura des véhicules. Certains pourront venir avec leur véhicule, puisque les parkings sont disponibles. Hein, ouais. Les parkings sont-ils disponibles. Payants? Non, c'est gratuit. Les billets sont gratuits, je ne vois pas comment faire payer. Les parkings sont gratuits aussi. C'est la gratuité, là. Merci à vous. Peut-être avoir une précision, ça, parce que cette question elle est importante pour tous les téléspectateurs qui nous regardent. Alors, où se jouera la demi-finale? Ah, ouais, je te passe la parole. Il y a une demi-finale qui se jouera à Port-Gentil le 24. Okay.
Voilà, et l'autre à Libreville. Et la deuxième demi-finale à Libreville. Voilà. Ok, d'accord. Okay. Voilà. C'est important. Alors, Josiane, on va quand même se dire encore un mot. Voilà, puisque vous êtes là et vous parlez de marketing. Mais quand même, marketing beaucoup plus la billetterie. Alors, quelle est votre politique de promotion de l'image de cet événement? Est-ce que c'est un produit qui est facile à vendre, le produit Cannes? Cannes moins de 17 ans. Surtout, que vous avez déjà vendu la Cannes en tant que tel senior il n'y a pas très longtemps. Mais moi, j'aimerais vous dire que c'est le produit normalement qui est le mieux vendu. Je vais vous dire, ouais. La population gabonaise, elle est très jeune. Oui. D'accord. Tout à fait. Et donc, on parle là d'une catégorie de la population qui est très, très représentée. Et nous, pour pouvoir... C'est facile bon. Pour nous de pouvoir le faire. Et pour le gérer, on va faire ça. On aimerait que les parents puissent prendre les enfants parce que nous, on a tout prévu pour tout ce qui est animation. On aimerait que l'enfant vienne et qu'il se sente chez lui au stade. Donc, on prévoit des temps en avance du début du match, des animations, des jonglages, des enfants pour faire des cerceaux. Oui. Donc, c'est aussi une façon pour nous de pouvoir susciter des vocations sur ces jeunes-là. Okay. Mais néanmoins, Madame Josiane, vous êtes consciente quand même d'une chose, c'est que la Cannes des U-17 et la Cannes des seniors, la Cannes des U-17 n'a pas la même envergure que la Cannes des seniors. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? On est tout à fait d'accord là-dessus. Okay. Alors, et Samba, comment il se porte? Samba se porte très bien. Samba va être de retour. Justement, Samba, je vais poser la question au CS, au coordonnateur de site. On va parler un tout petit peu de Samba parce que c'était l'homme, c'était la star de l'événement. C'est la mascotte. Et la mascotte de l'événement. Je pense que Samba a été reconduit pour la Cannes des moins de 17 ans. Oui. Alors, mais on avait connu pour les seniors un certain nombre d'événements autour de Samba, notamment la tournée Interpool qui est partie de Libreville pour OIM en passant bien évidemment par Port-Gentil et Franceville. Qu'en est-il des moins de 17 ans? Est-ce que Samba fera le tour? Est-ce qu'il y aura des animations, des concerts comme c'était le cas pour les seniors? En tout cas, pour le tour de la mascotte, ça ne se fera pas. Mm-hmm. Alors, on l'a fait pour la Cannes senior. On la connaît déjà. On la connaît. Mm-hmm. Mais à l'intérieur des sites, il va y avoir un certain nombre de manifestations. Mm-hmm. Déjà, je préfère vous donner la primeur. Ouais. Demain, il va y avoir une caravane d'organiser qui permet d'aller au plus près des populations, les toucher, les appeler à communier avec nous. Parce que ces populations sont effectivement des ambassadrices un peu de la Cannes des moins de 17 ans. Ouais. Et donc on va vers ces populations, on communie ensemble et on vit déjà en avant la passion du football. Alors, s'agissant de Samba, parce qu'autour de Samba, il y a cette partie, effectivement, je dis, le football c'est une fête. C'est cette partie festive. Donc elle est orchestrée, effectivement, autour un peu de la mascotte. Et là, Josiane vous a parlé d'un certain nombre d'événements qui vont se dérouler. N'oubliez pas qu'en Afrique, on aime bien vibrer. Hein? Évidemment. Et donc, la danse, tout ce qui bouge, nous met un peu en relation avec l'événement. Ouais. Et tout cela sera organisé. Dans des artistes, Ah, il va y avoir des artistes. Internationaux Non, locaux pour l'instant, parce qu'il faut aussi promouvoir le terroir. Du local. Et d'ailleurs, vous me posiez la question. On a vu Bouba à l'ouverture de la. Mais oui, mais sur les leçons du passé. Mais au niveau des retombées, on a des artistes locaux qui étaient passés ici à Port-Gentil. Ouais. Et on va continuer aussi sur cette lancée. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Mais je voulais revenir un peu sur l'organisation. Tout à l'heure, lorsque j'ai présenté un peu l'organisation, on avait un peu oublié le DS. Enfin, moi, mais il m'a repris. N'oubliez pas, je vous ai dit, quand vous venez suivre un match de football, les gens sont contents, ils viennent, ils repartent. Derrière, il y a une sacrée organisation. Vous ne pouvez pas savoir. Tout simplement le minutage. Vous avez vu, on avait battu les records ou les matchs. Bon, là, on était passé à côté, le match avait démarré à 20h04. Parce que tout ça, c'est chronométré. Mais c'était pile poil. C'est une sacrée organisation. Alors, le chef d'orchestre au niveau opérationnel, les infrastructures, il est là derrière. Il va nous dire quelque chose. Et il faudrait qu'il dise quelque chose au niveau infrastructure, organisation, parce que ça, c'est important. Le moins de petits loups, eh bien, ça se ressent. Mais tout est chronométré. Toutes les commissions travaillent ensemble, de concert. Et voilà. Et ça, c'est vraiment important pour la réussite de la Cannes. Et comme le disait le CSA, nous ici, c'est l'esprit d'équipe. On s'entraide, on a des responsabilités.
vraiment bien précisé, vertical, mais aussi transversal. Parce que là, entre nous, on sait, on a le même objectif, c'est la réussite de la CAN. Voilà. Alors, monsieur le directeur de site, est-ce que vous, à 4 jours, vous pensez que vos équipes sont suffisamment prêtes pour offrir aux fanatiques du football et notamment ceux-là qui effectueront le déplacement pour cette 2e édition, le résultat escompté? Oui, bonjour à tous. Le premier mot, c'est que je ne sais pas si ça se voit, mais je ne suis pas complètement gabonais. Mais je suis vraiment ravi et très honoré d'être ici à Port-Gentil. J'ai vous pu. Êtes je suis gabonais de cœur. Ouais. Maintenant, j'ai pu faire dans mes boulots précédents beaucoup de tours et de visites de stades. Et je dois dire que celui-là est vraiment impressionnant, que c'est un petit bijou. Merci. Effectivement, c'est un stade très bien configuré, qui est beau, qui est très fonctionnel. Et pour répondre directement à votre question, je peux vous garantir que derrière ce stade et à l'intérieur de ce stade, vous avez tout un tas de gens, beaucoup d'équipes, des gens passionnés, des gens qui sont des experts de leur métier et de leur commission et qui mettent tout en œuvre depuis quelques jours, depuis même 2 semaines, qui mettent tout en œuvre pour que tous les publics, et pas uniquement le grand public qui va nous rejoindre, mais également les gens de la CAF, qui sont pour nous certainement les plus importants puisqu'ils sont les porteurs de l'événement, mais aussi les gens de la partie compétition, c'est-à-dire les équipes, les arbitres. Voilà, les gens qui travaillent aujourd'hui au quotidien, de très tôt le matin jusqu'à très tôt le soir, je peux vous dire qu'ils sont vraiment complètement impliqués et qu'ils sont en train de préparer un 2e grand succès d'affilée à Port-Gentil en termes de football. Voilà. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour lui, s'il vous plaît? Voilà. C'est assez important. On va donc passer notre micro dans le public pour avoir une, deux questions. Et vous posez la question et vous choisissez qui doit répondre sur ce plateau entre le coordonnateur de site et le coordonnateur de site adjoint. Voilà. Nous avons une première question. Madame, vous vous présentez et votre question à la suite. Très bien qu'au Gabon, tout ce qui est gratuit est compliqué à acquérir. Pensez-vous vraiment que ces stratégies pourront, à partir de cette stratégie, pourrez-vous atteindre les objectifs escomptés? Quand on sait qu'on a beaucoup de jeunes chômeurs qui n'appartiennent à aucune organisation sociale ou association. Voilà. Bon, mais chômeur, ça n'a pas trop de rapport quand même. Allez-y. Écoutez, quand même insister sur un point. Port-Gentil, 160 000 habitants, des personnes susceptibles d'aller au stade, il y a au moins la moitié, 80 000. Le stade, c'est 20 000 places. Déjà, il faudrait qu'on soit clair, il nous faut mettre en place un système de filtre pour s'assurer effectivement que bon, un certain nombre de personnes pourront accéder au stade. S'il y a 40 000 demandeurs, on ne pourra pas les accueillir. Mais on fera en sorte. On fera en sorte. Mais à 4 jours, CS, est-ce que ce système de filtre est déjà mis en place? Nous sommes à 4 jours de la compétition. Les premiers billets doivent déjà être distribués dans les 2 jours. Les piliers sont connus. Elle vous a dit qu'il y a un certain nombre de blocs. Vous avez des blocs communautaires. Vous avez, c'est une fête de la jeunesse, des blocs scolaires, on a vu le DAP. Hein. Il y a ensuite un certain nombre de centres de formation. Il y a des blocs politico-administratifs, n'oublions pas. Il y a le secteur privé et les entreprises. Donc, nous avons ces blocs-là. Ce qui nous reste, c'est faire ensemble qu'ils se retrouvent dans une stratégie parfaitement logique et qui tienne la route. Et surtout, qui ne suscite pas de la frustration et de la démotivation. Et ça, c'est vraiment important. Voilà. Voilà, merci. Peut-être une question qui viendra des communautés étrangères. Voilà, il y a la communauté guinéenne qui voudrait bien poser une question. Allez-y. Bon, peut-être ma question doit être un peu curieuse, mais je voulais savoir pourquoi ces billets sont gratuits. Voilà. Excellente question. Monsieur Alors, pourquoi Macron. C'est gratuit? Mm-hmm. Mais parce que c'est la fête de la jeunesse. C'est un cadeau qui est offert par les plus hautes autorités de l'État à la jeunesse gabonaise, à la jeunesse africaine. Vous avez de l'argent pour les acheter? Alors, voilà. Merci. Non, c'est exactement la réponse que je voulais avoir parce que beaucoup posent la question.
alors que nous, qu'on ne peut pas y répondre. Et non, maintenant, on sait qu'il a... Pour une fois, c'est gratuit. Voilà, pour une fois, c'est gratuit. On est content, merci. Merci, merci à vous. Voilà, nous avons encore... Oui, oui, José Analyse. Non, je voulais juste réagir par rapport aux missions du marketing même, parce que vous vous êtes arrêté que sur l'aspect billetterie. Ouais. Et le rôle du marketing, ce n'est pas que la billetterie. Nous avons la billetterie qui fait partie d'un département du marketing. Nous avons gestion image qui fait partie, parce que si vous voulez, la CAF a une charte graphique à respecter. Et notre mission, notre rôle, c'est de faire en sorte que cette charte graphique soit respectée. Notre rôle aussi, c'est de permettre à la population... Respectée par qui ? Par les populations. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, je vous prends un exemple simple. Vous avez aujourd'hui des maillots qui sont encore à l'effigie de CAF orange. Ouais. Parce que, en fait, c'est la contrefaçon. Mm-hmm. Les gens, et nous, notre rôle, c'est de dire... Nous, on a aujourd'hui, la CAF a une mission, a un contrat avec Total, et c'est de faire respecter à ses revendeurs en disant que là, vous êtes en contrefaçon. Et c'est le rôle aussi du marketing de le faire. C'est le rôle du marketing de mettre en place des animations pour permettre aux populations de venir tôt au stade, mais de ne pas s'ennuyer en ayant une activité aussi derrière à susciter des vocations. Donc voilà en gros... autour de quoi tourne le marketing. Voilà, avant de revenir à vous, Jules, je voudrais quand même qu'on donne la parole à M. Joël Mavungu pour nous dire vos soldats, quelles seront leurs missions sur le terrain, vos soldats, c'est-à-dire les soldats, les volontaires. C'est vrai que j'ai emprunté l'expression de la commission communication pour le compte de la 31e édition. Ben, désormais, on va appeler tous les volontaires des soldats. Alors, vos soldats, quelles seront leurs missions? Okay. Comme le CSL a dit en introduction, nous avons à peu près une dizaine de commissions dans le COCAN. Donc les volontaires que nous recrutons sont déversés dans ces commissions qui vont leur donner du travail technique. Donc nous gérons la partie ressources humaines administratives et maintenant les commissions, différentes commissions, vont donner les activités à ces personnes. Il y a des commissions particulières comme la douane, la sécurité et la santé. Nous ne les occupons pas de ces commissions parce que c'est des métiers à part entière. Ouais. Donc, et pour le reste, le marketing, communication, accueil grand public et tout le reste, ouais, nous fournissons des ressources à ces commissions-là. Voilà. Alors, en janvier, on a vu quand même une caravane qui a sillonné tous les artères de la commune de Port-Gentil pour le recrutement de ces volontaires. Mais nous sommes à 4 jours de la compétition. Qu'en est-il? Nous avons une base de données qui a été constituée lors du recrutement fait pour la CAN de seniors. Donc, ce que nous avons fait cette fois, il y a eu quelques candidatures spontanées, des gens qui sont venus spontanément, on les a pris en entretien et sont intégrés dans la base de données. Mais le gros des effectifs viendront de tout ce qui a été déjà fait en amont depuis le mois d'octobre-décembre. Voilà, il y a déjà de l'expérience quand même. Il y a aussi de l'expérience et ils connaissent déjà le stade et tout le reste, donc il y a moins de formation. Voilà. Après ça a été l'un des critères, justement, à cause de la formation. Voilà, ce que je voulais rajouter... l'instruction qui avait c'était été donnée, c'était plus facile pour nous, c'est de reprendre les anciens qui étaient déjà formés, que plutôt d'aller recruter d'autres et les reformer. Voilà. Donc c'est important pour ceux qui nous regardent à la maison. Il ne faudrait pas qu'on se dise que c'est toujours les mêmes personnes. Oui, non, mais bien sûr, c'est pour ces raisons-là. C'est pour ces raisons-là. Voilà. Voilà. Allez-y, Monsieur Jules. Nous avons alors, encore 5 minutes. Vu qu'on s'achemine vers la fin de ce programme, donc ma toute dernière question au coordonnateur général, le coordonnateur donc général du site, Monsieur Pierre Ritenoundiagne. Alors, les populations se posent une question vu que l'ouverture de cette CAN se fait à Port-Gentil. Est-ce que la plus haute autorité du pays sera à cette cérémonie d'ouverture, assistera au premier match? Le chef de l'État, bien sûr. Ben, vous savez, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, parce que ça ne dépend pas c'est le cabinet. Du COCAN, ni de la coordination de CITS. Voilà, mais il faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait des hautes personnalités de la République qui effectueront le déplacement pour cet événement. Ah oui, certainement. Ouais. Voilà. Alors, nous allons faire le dernier tour de table. Je vais commencer par vous, M. Laurent Mangaga. Il faut rappeler que vous êtes le coordonnateur adjoint du site de Port-Gentil. Si l'on vous donnait la possibilité d'adresser un message fort, un message qui va impacter directement sur les populations, c'est-à-dire la cible même de la CAN, à savoir cette jeunesse, et bien sûr, M. X qui voudrait bien venir regarder ce match, quel mot utiliserez-vous? Mais d'abord, il faut dire jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. Oui, en plus. Hein? C'est de 7 à 77 ans. Donc, nous surfons sur la vague de la CAN senior pour dire à la population port-gentilloise de venir au stade. Hein? Tous les jeunes, c'est une fête de la jeunesse.
nous avons eu l'opportunité que les plus hautes autorités de l'État nous donnent la gratuité de venir au stade. Donc j'incite, j'appelle les uns et les autres de venir assister à ces rencontres-là. Voilà, parce que c'est la fête de la jeunesse. Ouais. C'est la fête africaine. Voilà. Alors, Madame Matene-Josiane, pour vous, parce que c'est à vous quand même qu'incombe la responsabilité de la promotion de l'événement, quel mot juste et concis utiliserez-vous pour promouvoir cet événement? Mais déjà dire à toute la population qu'avec le département communication, nous allons venir vers vous. Dès demain, soyez prêts. C'est notre fête à nous. C'est nous les jeunes. Peut-être que le futur Aubameyang sortira de ce qui va se faire ici. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes là aussi pour répondre à toutes les questions. Peut-être que sur ce plateau, vous n'avez pas eu les questions. Vous n'avez pas eu des réponses à tout ce que vous attendiez. Donc, nous sommes ouverts. Nous sommes disponibles au niveau du stade pour pouvoir répondre à tout ceci. Donc, ne ratez pas l'occasion. On ne sait pas à quel moment la Coupe d'Afrique va revenir au Gabon et précisément à Port-Gentil. Ouais. Et donc, franchement, je peux vous dire, c'est un privilège. Et donc, n'hésitez pas. Voilà. Il faut saisir l'occasion. À titre, rapidement, on va rappeler que la première rencontre, c'est-à-dire le match d'ouverture, se jouera dimanche, le 14 mai 2017, à partir de 15h30 et opposera le Gabon à la Guinée-Conakry. Et à 18h30, nous aurons le Cameroun qui sera opposé au Black Star du Ghana. Et le mercredi 17 mai 2017, nous aurons à 15h30 la première rencontre qui opposera la Guinée-Conakry au Cameroun et à 18h30 les Black Stars du Ghana au Pantero du Gabon. Et le 20, nous aurons à 18h30 le match choc quand même, choc. Gabon-Cameroun, voilà. C'est une rencontre à ne certainement pas rater parce qu'on sait qu'il y aura une forte mobilisation des différentes communautés. Et puis le 21, nous avons Tanzanie-Niger. Ça se joue à Port-Gentil. Voilà, à Libreville. Et puis la demi-finale le 24 mai à Port-Gentil. La demi-finale qui opposera le premier de la poule A au premier de la poule B. Alors, CS, vous avez deux minutes pour conclure cette émission, deux minutes pour tout dire, deux minutes pour redire ce que vous voulez redire et deux minutes pour ajouter ce que vous avez oublié de dire au cours de cet entretien. Simple, première chose, trois valeurs. Solidarité, fraternité et joie, qui sont au cœur de l'événement de la CAN des moins de 17 ans. Donc c'est une fête, c'est la raison pour laquelle nous invitons les jeunes en particulier, à venir massivement soutenir toutes les équipes qui vont avoir à jouer ici à Port-Gentil. Deuxième chose, la CAN des moins de 17 ans, c'est l'image du Gabon à l'extérieur. Donc il faudrait que toutes les populations participent à ce que cette dernière se déroule dans la sécurité, dans la paix et dans la joie. Et dernière chose, je voudrais quand même remercier mon équipe. Une équipe qui est là, comme on dit, qui travaille dans le back-office, dans l'ombre. Mais qui, sans elle, on n'aurait pas à vivre cet événement sportif, comme la CAN Senior, qui a été un succès. Et nous pensons aussi, et nous en sommes même sûrs, que la CAN Junior le sera aussi. Donc, vraiment, mes vifs remerciements déjà à mon équipe. Et en dernier lieu, vous les journalistes, nos ambassadeurs, aidez-nous à faire en sorte que cette CAN soit un franc succès. Voilà. Merci infiniment à vous, M. Pierre Etelodiaï. Merci également à vous, M. Jules. Merci, Pablo. Ça a été un plaisir. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est maintenant terminé pour ce plateau spécial. On se sentirait terriblement coupable si jamais on mettait la clé sous le paillasson, sans toutefois manifester notre reconnaissance à l'endroit de la grosse équipe qui nous a accompagnés dans le cadre de cette réalisation. Merci infiniment à la commission communication chapeautée par M. Philippe Moyembe qui s'est battu comme un véritable serpent pris au piège pour la réussite de cet événement. Merci
à Icon 3D qui assure la réalisation de ce plateau spécial. On espère pouvoir être nombreux à se retrouver ici même au stade, au complexe sportif Michel Essongué de Port-Gentil le 14 mai prochain, lorsqu'il sera 15h passé de 30 minutes pour vivre en direct la première rencontre de la 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Merci également à toutes les communautés étrangères qui ont effectué le déplacement. Maintenant, mesdames et messieurs, vous pouvez tout de suite reprendre un train de vie normal. Bonsoir à tous. Make you carry your flag on top your head, make you say, oh, wait.